Bienvenue dans Plus d'Actu et comme tous les vendredis, nous allons passer une vingtaine de minutes avec un invité pour parler de politique régionale. Et aujourd'hui, l'invité est le président de la régionale du PTB. Il est également conseiller communal à Anderlecht. Il est également administrateur de BX1, mais ce n'est pas de BX1 dont on va parler. Le nom de mon invité est Giovanni Bordonaro et je lui propose de me rejoindre ici à cette tribune qui fait penser peut-être à une future tribune d'un député élu un jour au Parlement, on verra. Vous savez, dans cette émission, Giovanni Bordonaro, bonjour. Bonjour. Nous avons Aline Walsdorf qui se trouve en studio à l'étage de la radio et qui collecte les questions des téléspectateurs, auditeurs et internautes de BX1. Bonsoir Aline. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Monsieur Bordonaro. Alors oui, une première question d'un premier internaute, Eric, qui avance qu'il a voté pour vous au communal à Molenbeek, mais vous n'êtes pas rentré au collège. Il s'interroge quant au fait de voter pour un parti qui est toujours dans l'opposition, car oui, il se demande si ça pourrait changer la prochaine fois. Alors ça, une question assez habituelle qu'on pose au PTB. Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans des exécutifs, comme on dit que ce soit au niveau communal ou même au niveau régional ou national. Ben écoutez, oui, tout à fait. Je pense qu'on est prêt pour monter dans des majorités. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment à différents endroits, pour dire qu'en 2024, on a cette ambition de monter dans des majorités. En 2018, ça n'a pas pu être le cas, parce qu'au PTB, c'est important de ne pas se battre pour des places. Donc on n'accepte pas tout à n'importe quel prix. C'est important de savoir de quoi on parle, c'est quoi le programme. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire. – C'est quoi le prix alors? Le prix pour accepter de diriger une commune, par exemple, c'est quoi? C'est avec quel type de parti? Bah, d'abord, ce sera avec des partis progressistes. Donc ça, c'est important et pour c'est nous. – c'est qui les partis progressistes ?– Alors, on a des partis comme le PS, qui est un parti progressiste. En tout cas, il est plus progressiste que des partis comme le MR ou comme les Engagés, par exemple. On a Écolo, qui reste un parti progressiste, même si Écolo, pour l'instant, le bilan n'est pas très satisfaisant, en tout cas au niveau de la région de Bruxelles, même dans les communes où il est en majorité. Et donc là, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on met sur la table et pourquoi est-ce qu'on veut aller dans des majorités. Au PTB, c'est important qu'on y aille pour une rupture avec les politiques qui ont été menées pendant des années jusqu'à maintenant. Et donc ça, je pense que c'est important, c'est l'ambition qu'on se donne, nous. Je pense que les gens, quand ils votent PTB, c'est pour du changement. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus du PS, il y a beaucoup de gens qui sont déçus d'Écolo. Ils comptent sur le PTB pour qu'il y ait vraiment un changement important dans la façon de diriger politiquement. Oui. Et on se doit de respecter cette demande des citoyens. – Oui, mais quand on écoute Eric et sa question, c'est lui, il est plutôt déçu que vous ne soyez pas monté dans l'exécutif à Molenbeek, parce qu'il y a eu des négociations à Molenbeek avec le PS, justement, qui était prêt à gouverner avec vous, en tout cas, c'est ce qu'il disait, et vous n'êtes pas monté. Donc là, il peut se dire que pendant 6 ans, le changement, la transformation, vous êtes resté sur le banc. Alors, on est resté sur le banc, mais on a quand même fait bouger les lignes. Donc, oui, depuis l'opposition. Depuis l'opposition, mais on a quand même bougé les lignes. C'est aussi toute une question de rapport de force qu'on mène aussi avec les citoyens. Je pense qu'Éric et d'autres auraient été encore plus déçus si on avait été dans la majorité en 2018. C'est parce que les négociations qu'on a eues, on voyait bien qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre possible. C'était les conditions que le PS mettait en avant. On venait avec quelques points de rupture, donc ce n'est pas qu'on a déballé tout notre programme, les 200 pages, on sait très bien que ça, ce n'est pas faisable, ou alors il faut gouverner tout seul, ce qui n'est pas possible. Ça, on en est très conscient. – Oui, vous en êtes très conscient, parce que moi, j'entends pas mal d'hommes et de femmes politiques qui disent qu'en fait, votre but, c'est ça, c'est d'être le seul parti majoritaire et de ne pas devoir avoir de majorité avec d'autres partis et de décider tout seul. Ben non, ce n'est pas le cas. Moi, je rassure tout le monde, ce n'est pas le cas. Maintenant, en 2024, on pense qu'il y a des majorités faisables, notamment à Molenbeek, par exemple, ou aussi, par exemple, à Saint-Gilles, ou à d'autres communes où on a un ancrage important. Anderlecht. On voit aussi qu'à Anderlecht, par exemple, aussi, pourquoi pas. Il faudrait voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. Mais en tout cas, je pense qu'il faut changer la façon de faire de la politique, c'est-à-dire de mener la politique avec les gens, de vraiment impliquer les gens dans les projets, et ne pas faire comme on l'a fait, notamment avec Good Move, on y reviendra, où on voit qu'on déballe des projets
projets complètement imposés qui ont été faits par des experts et les gens découvrent sur le tas qu'est-ce qui se passe. Et donc, cette manière de faire, nous, on veut le faire autrement. Et donc, si des partis sont prêts à changer la façon de faire de la politique, nous, on a la porte grande ouverte. Alors, on a eu les derniers résultats du baromètre du soir et de RTL. Et là, vous étiez presque numéro 1. Vous êtes numéro 1, numéro 2 sur Bruxelles, mais vraiment tout près du MR. Et on voit d'ailleurs ce grand baromètre à l'antenne. On voit avec vos 19,4% d'estimation, ce n'est qu'un sondage, hein, bien sûr, vous talonnez le MR qui est devant et le PS et Écolo sont bien derrière vous. Mm-hmm. C'était jouissif d'entendre et de voir ces résultats. En tout cas, c'est jouissif, c'est un sondage, comme vous l'avez dit, donc il faut être prudent. Mm-hmm. On voit dans ces résultats que le PTB est un parti conséquent à Bruxelles, hein, donc on amène des propositions réalistes et concrètes. On fait vraiment un travail de fond. Il y a aussi une colère des gens. On voit que la colère, elle est assez claire. Hein. Donc, on voit le bilan de ce gouvernement qui n'est pas capable de répondre à la crise. Hein. Donc, la précarité augmente toujours à Bruxelles. On voit en termes de mobilité que cette ville est toujours aussi embouteillée et polluée. Et donc, on a un gouvernement qui n'est pas capable de faire face aux besoins des citoyens, pas que à Bruxelles, mais aussi au niveau fédéral. Et nous, on vient voilà, avec des propositions. On se bat pour des logements décents, on se bat pour une vision de la mobilité beaucoup plus importante et ambitieuse. Est-ce que vous ne faites pas que fédérer les mécontents, que vous êtes un espèce de parti du refus, comme il en a existé d'autres avant, en Belgique et dans d'autres pays, et que vous agglomérez des gens qui ne sont pas nécessairement des PTBistes dans l'âme? Non, je ne pense pas, parce qu'on fait un travail de terrain, on fait un travail politique conséquent. Donc, je prends un exemple, par exemple, sur les loyers à Bruxelles. Hein, donc, la crise du logement, voilà, vraiment un dossier extrêmement important et qui est prioritaire pour nous. On a avancé des propositions, notamment l'encadrement contraignant des loyers. Hein, donc, c'est un système qui permet d'encadrer les loyers et de les faire baisser. On a vu qu'avec toute la pression qu'on a mis, il y a eu pour la première fois en région bruxelloise un débat au Parlement où il y a eu une loi qui n'est pas assez ambitieuse pour nous, évidemment, mais une loi qui a quand même été votée, où on a pour la première fois formalisé le fait qu'il y avait des loyers abusifs. Et donc on voit qu'on met la pression, qu'on fait bouger les lignes. Et ça, je pense que les citoyens sont très conscients. Parce que c'est des choses qui étaient dans les programmes des autres partis. En tout cas, pas d'encadrer les loyers de manière stricte, mais comme vous le dites, de manière peut-être un peu plus modérée. Donc en quoi vous mettez la pression? Alors, cette question de l'encadrement des loyers n'était pas dans le programme de la majorité. Donc ça a été une proposition du Parlement. Donc ce n'était pas dans le programme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu d'énormes débats aussi entre eux, avec le défi notamment, qui n'étaient pas tout à fait d'accord par rapport à cette loi que la majorité a proposée. Et donc on a poussé véritablement cette majorité à déposer une ordonnance, parce qu'en fait on avait déposé nous-mêmes une ordonnance pour vraiment avoir l'encadrement contraignant. Ils ont déposé une contre-ordonnance sur la table. Et donc ça, c'est vraiment en réaction à ce qu'a fait le PTB. Oui. Un deuxième exemple sur la taxe kilométrique aussi. Donc ils ont voulu mettre la taxe kilométrique cette législature. Oui. Hein, maintenant, on appelle ça Smart Move. Ça fait plus joli, ça fait plus beau. Oui. Et donc ça, dans leur accord de majorité, ça devait être appliqué déjà sous cette législature. Ça n'a pas été fait. Et là aussi, je n'ai aucun mal à le dire, que c'est aussi avec la pression du PTB et des citoyens. Vous ne croyez pas que c'est plutôt la pression de la région flamande et de la région wallonne qui n'en voulaient pas? Est-ce que vous ne vous gonflez pas un peu comme dans la fable de la Fontaine, où la grenouille se gonfle un peu trop? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vois ce qu'on fait sur le terrain. Ce n'est pas en réaction à ce que la Flandre et la Wallonie ne voulaient pas, parce que la région est parfaitement capable de le mettre en place tout seul. D'ailleurs, c'est ce qu'ils prévoient de faire pour après 2024. Hein. Ouais. Donc, on verra le prochain programme. Voilà, on verra le prochain programme. On verra aussi le poids que le PTB aura. Mmh. Et donc, je vois dans les sondages, notamment pour rebondir là-dessus, que le PTB aura plus de poids, en tout cas, je l'espère. Et on va peser beaucoup plus politiquement d'ici 2024. Alors, on a parlé des communales, mais il y a aussi les régionales. Mmh. Est-ce que là aussi, vous êtes prêt à entrer dans l'exécutif régional, en sachant que là, il faut beaucoup plus de partis, il faut des partis néerlandophones, il faut des partis francophones. Mm-hmm. Là, est-ce que vous aussi, vous dites, on est prêt pour les régionales aussi? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on ne ferme pas la porte. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut une rupture. Il faut une rupture avec la politique du tapis rouge aux promoteurs et aux barons du béton à Bruxelles. Mmh. Il faut une rupture aussi avec le tout au privé. Il faut une rupture avec l'écologie punitive, hein, avec Smart Move notamment. Et la politique du mépris que les partis traditionnels ont vis-à-vis des gens aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des points très clairs qu'on met sur la table.
Il y a plusieurs points de rupture qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, on a encore sorti récemment le fait que pour le pas de midi, le gouvernement a fait cadeau de 2,4 millions d'euros aux promoteurs immobiliers par rapport aux charges d'urbanisme. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables pour nous. Mmh. Donc, c'est votre point, votre ligne rouge. C'est un des points de ligne rouge, ouais. En effet. Ouais. S'il fallait coter le gouvernement Vervoort, une cote sur 10, vous lui donneriez combien ? Oh là, vous me prenez. Écoutez, je mettrais 5 sur 10. Oh, c'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais, parce que je pense aussi qu'on est capable. C'est la moyenne. C'est la moyenne, voilà, 5 sur 10. Mais bon, 5 sur 10, moi, à l'école, 5 sur 10, c'était pas un bon résultat. Hein, donc, oui, d'accord, mais vous passiez d'année. Hein, ça veut dire qu'il passerait de législature et il y aurait un gouvernement Vervoort 3. Enfin, on n'en est pas encore là. Dans l'étude du baromètre, il y avait aussi une question sur le dégoût pour la politique. Et on s'est rendu compte que 70% des gens interrogés sont plutôt méfiants vis-à-vis de la politique. Mmh. Comment leur rendre confiance en la politique ? Mais je pense qu'il faut être à leur écoute, il faut les impliquer dans les projets. Il y a une déconnexion du monde politique avec le monde citoyen aujourd'hui. Mmh. On voit les politiciens comme des personnes qui sont voilà, dans des perchoirs inaccessibles. Et où c'est on vrai, développe ça des projets. Ben, je pense que c'est vraiment vrai, tout à fait, oui. Ouais. On voit au niveau des salaires, voilà, quand on voit les députés qui gagnent 7 000 euros par Donc, mois. Les gens ont raison d'être méfiants pour vous. Les gens ont raison d'être méfiants par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ils ont raison d'être méfiants. Maintenant, il faut que cette méfiance se transforme en un engagement. Donc il faut que cette colère soit orientée positivement, soit organisée, et c'est ce qu'on essaie de faire nous, le PTB, comme parti de terrain, où on essaye vraiment d'impliquer les gens et de les orienter politiquement vers notre vision de société, et ne pas les laisser voilà, dans une colère un peu désorganisée, où ça peut tendre vers des théories complotistes ou même vers l'extrême droite, comme on le voit par exemple en Flandre. Mmh. Ça, c'est un danger important. Donc vous canalisez en quelque sorte le désamour, la rébellion Je pense qu'il faut redonner confiance aux citoyens sur la politique. Il faut faire comprendre aux gens qu'en effet, la politique est importante parce que c'est très concret. Mais moi, je croyais que vous étiez un parti révolutionnaire. C'est révolu, ça, la révolution ? La révolution, en tout cas, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'avoir une ville qui soit habitable, fluide et agréable pour les gens. Mais en passant par les élections et des gouvernements élus. En passant par les élections, mais pas que. Je pense que notre ADN de dire que le changement et le poids qu'on obtiendra va se faire avec les gens, sur le terrain, en s'organisant, c'est extrêmement important. Et ça, c'est complètement différent des autres partis politiques qui, là, sont une fois élus, n'ont aucun compte à rendre, votent des lois et on ne les voit plus pendant quelques années. Alors, on va passer à un deuxième thème grâce à Aline Walsdorf, qui a encore une question d'un téléspectateur. Aline, on vous écoute. Alors oui, cette fois, c'est une internaute, Larissa, qui se demande si le PTB est pour ou contre les trottinettes. Et elle souhaite savoir si vous prévoyez de taxer les trottinettes et les vélos pour assurer une égalité et une justice fiscale vis-à-vis des automobilistes et usagers qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Alors, d'abord, trottinette, oui ou non ? Comme à Paris, est-ce qu'il faut les interdire ? Première question. Ouais. Bah là-dessus, je ne pense pas qu'on doit aller vers l'interdiction. Ça signifierait l'échec dans le fait qu'on soit capable d'encadrer. Je pense qu'il faut encadrer les trottinettes. Aujourd'hui, c'est l'anarchie totale. On en voit partout, c'est sur les trottoirs, c'est sur les passages piétons. Donc c'est vraiment un danger. C'est un danger pour les personnes qui ne sont pas sur les trottinettes. Mais c'est un danger aussi pour les utilisateurs même des trottinettes. Et donc, le défi maintenant ici, c'est d'être beaucoup plus ferme dans l'encadrement. Et donc, il faut mettre des zones de stationnement obligatoires pour que les personnes puissent stationner leurs trottinettes à des endroits prévus. Oui, les drop-off zones. Les fameux drop zones. Et tout simplement, ne plus permettre de déposer les trottinettes partout, n'importe comment, comme ils se comportent. Et des sanctions, comme on veut. Si vous dites. Alors, il y a deux méthodes. On peut sanctionner la société qui ne permettrait pas ce système-là. Et alors, il y a aussi le fait que la personne, tout simplement, ne pourrait pas arrêter sa trottinette tant qu'elle n'est pas sur cette fameuse zone de drop zone. Donc, il y a deux systèmes qu'on a sur la table. Et donc là, il faudrait voir quelle est la plus efficace. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on doit tendre avant de viser l'interdiction pure et dure, parce que je pense que la trottinette peut être un moyen aussi efficace, et c'est utilisé par beaucoup de jeunes notamment, pour se déplacer en ville. Et il y a un an, une ordonnance a été votée au Parlement, justement. Vous l'avez votée ? Parce qu'elle disait un peu ce que vous disiez là, l'ordonnance contenait ces éléments-là, même si elle n'est pas encore en application aujourd'hui. Oui, je pense que l'ordonnance ne va pas encore assez loin. Je pense qu'on s'était abstenu sur cette question.
parce qu'on n'allait pas justement assez loin. Mmh. Et alors, il y avait aussi le risque que, c'est les utilisateurs qui soient finalement perdants. Mais donc là, je vois maintenant que la région va développer justement sa fameuse drop zone, veut aussi diminuer le nombre de trottinettes. Oui, et pourquoi pas limiter le nombre de sociétés. On a, je ne sais pas combien de sociétés différentes. Il y a 8 opérateurs. Voilà, ce n'est pas, nécessaire. Et donc ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut continuer à aller plus loin là-dessus. Alors, toujours question des trottinettes. Larissa demandait si fiscalement, il ne faudrait pas avoir une certaine équité entre usagers d'automobiles et les autres usagers, cyclistes ou conducteurs de patinettes. Alors, sur la taxe sur les trottinettes, écoutez, on peut en discuter. Je ne serai pas fermé là tout de suite. C'est important alors qu'on taxe les sociétés. D'ailleurs, je pense qu'une taxe sur le fait qu'elle crée une certaine nuisance pourrait pourquoi pas être développée. Pour les opérateurs. Pour les opérateurs, c'est très important. Oui, pas pour les utilisateurs, ça n'a pas de sens. Un utilisateur utilise la trottinette de façon un peu libre. Mais ça la rendra peut-être plus chère, alors. Et ça la rendra plus chère. Et ça, on veut quand même que la trottinette soit la plus accessible possible au niveau tarifaire. Alors, continuons en matière de mobilité avec GoodMove. Là, vous étiez assez présent dans tous les endroits où on était mécontent. On voyait le PTB qui était là aussi. Alors, quel est le bilan de l'année 2022, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, en matière de GoodMove. Vous êtes satisfait d'avoir bloqué GoodMove dans ces communes, à Anderlecht, à Schaerbeek et ailleurs? Écoutez, oui, je pense qu'il y a une grande colère des citoyens par rapport à GoodMove. Encore une fois, c'est un projet qui a été imposé du jour au lendemain. Donc moi, Anderlecht, je connais très bien, parce que j'ai suivi le dossier là au plus près. Ils ont appliqué ça pendant les vacances. Donc les gens sont revenus chez eux, ils ne savaient plus comment rentrer à la maison. Et donc, donc ça, je pense que c'est des méthodes qui ne peuvent plus être acceptées. Mais c'est la méthode que vous critiquez ou le plan en tant que tel ? Alors, la méthode, tout projet d'une telle ampleur qui se fait de façon imposée, sans concertation avec les gens, ne se passe pas bien. Il faut à un moment donné apprendre à faire de la politique avec les gens. À les écouter, c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes, où est-ce qu'on peut éventuellement fermer des rues ou changer les sens uniques, etc. C'est la méthode de quoi on a besoin. La méthode. Mais j'irai plus loin. Je pense aussi que les mailles apaisées, le principe même des mailles apaisées, n'est pas assez ambitieux. L'objectif de ces mailles apaisées, c'est quoi? C'est de dévier le trafic. Nous, ce qu'on fait, c'est le réduire. Voilà. Il faut réduire le trafic et ne pas le dévier. Alors, on peut montrer, maintenant, je vois que Mme Vandenbrand est très fière de dire que dans telle rue et telle rue, les transports en commun roulent un peu plus vite. Mais elle oublie de dire que dans les rues adjacentes, en fait, les embouteillages sont plus importants. Et donc, la question n'est pas de dévier le trafic, il faut le réduire. Et pour ça, il faut des transports en commun efficaces et performants. – C'est pas le cas aujourd'hui ?– Pas du tout. Écoutez, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faille attendre un bus ou un tram plus de 10 minutes en heure de pointe? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faille laisser passer deux métros en heure de pointe parce que le métro est bondé? Bruxelles est la capitale européenne et une ville extrêmement jeune. On n'a pas de ligne nocturne alors que dans toutes les autres villes européennes, il y a des lignes nocturnes. On est vraiment à la traîne par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et je viens de voir aujourd'hui des sondages de satisfaction, par exemple à Berlin. 97% des Berlinois sont satisfaits des transports en commun. 97%. À Bruxelles, on est loin, loin derrière. En général, les chiffres de ce type sont toujours plutôt positifs aussi. Pas 97% en tout cas. Peut-être pas à ce point-là. Alors, parlons du métro 3. Qui doit financer ce métro? Parce que Sven Gatz dit que Bel Iris peut payer 450 millions. Qui doit payer, selon vous? Mais je pense qu'il faut regarder d'où peut provenir l'argent. Donc là, il y a la région qui paye une partie. Je pense que le fédéral doit également aider, parce que la région ne peut pas tout porter elle-même toute seule. Ce n'est pas possible. Donc Bel Iris. Et donc le financement d'un métro, on doit trouver les financements. Le métro en tant que tel est une bonne chose. Maintenant, par contre, au Palais du Midi, où on a foncé tête baissée en ne prévoyant pas les problèmes, là, on voit que c'est une gestion catastrophique. On est en train d'emprisonner littéralement les commerçants et les habitants dans un chantier sans fin. – Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut abandonner et faire une boucle, passer par la jonction Nord-Midi, ou est-ce qu'il faut continuer, dépenser un peu plus d'argent, faire que les travaux durent un peu plus longtemps ?– Écoutez, là, le gros problème, c'est qu'on est sur le fait accompli. On est sur le fait accompli. Les experts disent, moi je ne suis pas expert ingénieur, et donc il faut se fier un peu à ce qui se dit. Apparemment, techniquement, ce n'est plus possible de faire marche arrière. Oui. Bon, si c'est vrai, à un moment donné, il faut aller le plus vite possible. Oui.
Moi, ce que je dénonce, c'est vraiment le fait d'avoir foncé tête baissée, de ne pas avoir assez prêté attention au fait qu'on est sur un marécage et donc à cet endroit-là, en fait, il ne fallait pas faire de station. Ça, c'était vraiment le choix qu'il fallait faire, le choix prudent. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, on est tous sur le fait accompli et les gens vont faire faillite les uns après les autres. Alors, on va parler de la réforme des poubelles. Réforme de la distribution, avec parfois en soirée, en tout cas des sacs blancs une fois par semaine. C'est une réforme que vous appelez de vos voeux, qu'elle soit plus efficace ou bien c'est une mauvaise réforme, d'après vous? Mais écoutez, la réforme ici, donc ce qui est positif avec la réforme, c'est qu'on veut avancer avec le tri. Hein, maintenant, il y a le sac orange qui va arriver. – Qui devient obligatoire. – Et qui devient obligatoire. Donc le tri est important, on ne s'oppose pas à ça. Oui. Maintenant, il faut prêter attention à une chose, c'est comment est-ce qu'on va accompagner les gens, comment est-ce qu'on va faire que c'est possible et on va aider les gens à ce tri. Et ça, dans la réforme de M. Marron, ça c'est vraiment le gros manquement. Donc on va mettre le sac orange obligatoire et dans certaines communes, on va supprimer la collecte. On va supprimer une collecte de sacs blancs. Oui. Et là, ça va poser clairement problème. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui habitent dans des appartements petits, sans extérieur. C'est la réalité à Bruxelles. Je ne sais pas si M. Marron s'en rend compte. Et là, les gens vont se retrouver avec 4 sacs chez eux, qui vont devoir tenir pendant une semaine. Et donc, le sac orange, ben, ça pue. Hein, dans sa petite cuisine, le sac blanc, les couches, etc., ça pue aussi. Donc, garder ça pendant une semaine, ça va créer des problèmes. Les gens vont être poussé, alors je ne pousse pas à ça, mais ça peut être une conséquence envisageable, c'est que les gens vont quand même sortir leur poubelle parce qu'à un moment donné, ça ne va plus être possible. Et donc ça, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Le sac orange, oui. Mais il faut maintenir la collecte 2 fois par semaine et pour les blancs et pour les oranges. Ça, c'est important, justement, pour avoir cette rotation et éviter qu'on ait une cuisine qui fait que puer. Et alors, la deuxième chose, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin et on doit être ambitieux dans l'installation des conteneurs pour justement permettre aux gens de sortir leur poubelle quand ils le souhaitent. Et là, alors, on va pouvoir faciliter la gestion du tri pour les citoyens. Ce qui n'est pas facile, c'est les conteneurs, il faut de la place. Il y a beaucoup de rues étroites, je prends l'exemple de Molenbeek dans le centre historique. Difficile de mettre des conteneurs, mais c'est vrai que ça pourrait être une solution. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Je vous demande, c'est une question courte, réponse courte. Hein. On va essayer. Les manifs en France, le PTB essaye de les soutenir, demande au Parlement de voter des soutiens. Vous le demandez aussi à Anderlecht de soutenir ceux qui manifestent en France? Mais c'est exemplaire ce qu'ils sont en train de faire en France, bien sûr. Il faut le faire partout, que ce soit au niveau communal, au niveau régional. Les Français se battent pour leur pension. Et c'est vraiment un exemple à suivre pour toute la Belgique et même l'Europe. Oui. Alors, Deleuze, des huissiers et des policiers interviennent pour ouvrir certains magasins. Ça vous énerve, ça, j'imagine. Oui, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. D'autant plus que les policiers, c'est quand même le monde politique envoie les policiers pour casser la grève, pour défendre les intérêts privés du géant Ahold de Deleuze. On voit clairement que le monde politique a choisi son camp. Alors, la Finlande qui entre dans l'OTAN, alors, et les livraisons d'armes à l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez? On sait que le PTB est très réticent là-dessus. Hein. On est réticent parce que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre un conflit, ce n'est pas en armant et ce n'est pas en jetant de l'huile sur le feu qu'on va résoudre une guerre. Et ça, je pense que l'histoire nous l'a montré. Oui, et comment on résout une guerre alors? Ah ben, il faut se mettre autour de la table, il faut mettre toutes les forces au niveau diplomatique possible pour voir quelles sont les solutions à apporter. Mais ce n'est pas en armant et en justement envenimant qu'on puisse la guerre qu'on va résoudre une guerre. Des illuminations à Ramadan comme à Londres, comme Pascal Smith l'a proposé, ou pour l'an 9 chinois, pour Pessah pour les juifs, ou pour Pâques pour les orthodoxes, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, oui, on n'est pas contre. Voilà, si Pascal Smith en fait pour lui une priorité, qui veut se racheter sur certains autres échecs qu'il a commis, on n'est pas contre. Au moment où on met des affiches Joyeux Noël, on peut mettre Joyeux Ramadan. Oui, c'est pas un problème. Merci Giovanni Bordonaro. Vous retrouverez Fabrice Grosfilet mardi pour encore une émission de Plus d'Actu et vendredi avec un invité ou une invitée, ce sera Michel Gaillère. Au revoir à tous et bon week-end. Bon week-end.